cannibale, boicot total, eccetera, eccetera. Ça, ça, donc tout cela, ça disparaît. Pour ne pas même parler d'une autre fête sociale. Tremblement de terre, c'est aujourd'hui un fait social, pas seulement au sens que dans un pays plus organisé, plus riche, les conséquences ne seront pas tellement catastrophiques, mais vous savez qu'on entre vraiment dans une nouvelle époque où le tremblement de terre lui-même peut être un fait social. Un ami dissident de Chine m'a dit qu'il y a plus ou moins un accord parmi les scientifiques, géologistes, là que la raison de la force destructrice de ce tremblement de terre à Sichuan, il y a 2 ans, je crois, c'est social. Il m'a dit que c'est accepter que les clivages là-bas dans la terre, qui déclenchent un tremblement de terre, que le clivage principal est précisément au-delà de ce grand lac artificiel créé par Trigor Gisdem. Le barrage de Trigor. Oui. Donc c'est littéralement, probablement, causé par social. Donc je crois que la critique d'idéologie, je vais expliquer ce que ça veut dire, est toujours plus nécessaire pour éviter tous les différents pièges. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère qu'on sera encore mis d'accord si je prends une cible qui n'est pas très populaire. Parce que tout le monde le célèbre aujourd'hui, Hugo Chavez. Pourquoi on le célèbre? Je crois que c'est le pire du racisme européen. Un typique comme nous ici, intellectuels de gauche en Europe, il aime une révolution authentique, mais qui n'est pas trop proche, non? Ça doit être là, Cuba, Vietnam. Le truc, c'est qu'on doit continuer ici à poursuivre la carrière tout en intrigue académique, mais c'est très beau de se sentir chaud dans la cœur. On dit quelque chose d'authentique se passe là-bas. Mais pourquoi j'ai des problèmes avec Chavez? Au début, ça a commencé très bien. J'ai peur, premièrement, que ça devienne de plus en plus un populisme étatiste. À l'encontre de Evo Morales, qui, je crois, est un cas tout à fait différent. Deuxièmement, je n'aime pas la façon dont Chavez propose comme cible l'empire américain. Non, je ne suis pas un défendeur de l'empire américain. Je dis seulement que peut-être, précisément, si on veut être un communiste aujourd'hui, on doit prendre en sérieux la thèse qu'on entre dans un univers multicentrique. Par exemple, ok, l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois. C'est tout à fait clair que la Chine, avec ses investissements d'argent, son économie politique, est aussi absolument une très forte puissance néocoloniale. Myanmar, Burma, la rébellion, l'Afrique, Congo. On ne peut rien comprendre à Congo sans l'arrière-fond de la compétition néo-impériale de l'Ouest et de la Chine à Congo. Donc,